Je tiens à remercier l'initiative de l'organisation des scouts musulmans Les Fourmis pour cette rencontre qui, à l'aube de l'année 1430 et l'année 2009, pour laquelle je vous souhaite les meilleurs voeux de santé, de paix et de foi, pour laquelle donc ils nous permettent de pouvoir nous réunir pour mener ensemble une réflexion autour de ce qui se passe aujourd'hui, au su et au vu de tout le monde, à savoir les massacres perpétuels de l'armée israélienne contre le peuple palestinien à Gaza. Par la même occasion, je voudrais, en ces jours de nouveau mois du calendrier lunaire, Muharram, et en ces jours de Ashura, vous présenter mes sincères condoléances à l'égard de la communauté de la foi et de nos frères en humanité, tout simplement à travers le monde, dans la bande de Gaza, qui subissent les injustices. En ces jours de Ashura qui nous rappellent et qui, durant lesquels nous commémorons la victoire de Moussa sur Pharaon, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, la sortie de l'esclavagisme de Pharaon, et en même temps, bien sûr, la victoire de l'imam Hussein alayhi salam sur Yazid le tyran, lorsque l'imam Hussein a donné de sa vie et lorsque l'imam Hussein a payé de son sang pour la justice, pour la liberté, pour la dignité, tout simplement. Parfois, mourir, c'est aussi donner sens à la vie. Et parfois, mourir, c'est aussi acheter la liberté et la dignité. Et c'est ce que l'imam Hussein alayhi salam a fait durant cette période de Ashura. C'est ce que Moussa alayhi salam a fait dans la sortie d'Égypte avec le peuple d'Israël pour fuir l'injustice, l'ingratitude et le terrorisme de l'État sous Pharaon à l'époque, comme celui que l'on voit aujourd'hui par-ci, par-là, semé dans plusieurs régions du monde. Alors je voudrais, pour ne pas prendre beaucoup de temps, pour laisser l'occasion au professeur Tariq Ramadan de pouvoir nous faire part des réflexions profondes et pertinentes autour de la question palestinienne de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je voudrais, si vous me le permettez, juste mener quelques réflexions avec vous. En principe, on allait parler de Nahr el-Barid, mais les informations, la réalité autour de nous, nous poussent parfois à devoir nous pencher sur ce qui se passe au quotidien, et principalement ce que vous avez vu à la télévision, ce que vous entendez quotidiennement par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Nahr el-Barid, c'est cette mobilisation citoyenne engagée aussi par la spiritualité de quelques personnes, musulmanes et non musulmanes, pour pouvoir subvenir aux besoins des opprimés. En principe, l'homme de foi que je suis, le citoyen spirituel, je suis considéré comme étant la conscience, en tout cas, je suis nourri par une certaine conscience qui est la conscience éveillée de l'opprimé autour de moi. Cette conscience éveillée, elle m'est dictée par mon sens de responsabilité citoyen et elle m'est dictée aussi par ma spiritualité. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Nahr el-Barid, c'est-à-dire le retour des opprimés palestiniens, en tout cas les réfugiés depuis 48, qui ne peuvent pas revenir sur leur terre, par-ci, par-là, dans le monde musulman, que ce soit au Liban ou ailleurs, ou même en Jordanie, j'avais pu visiter il y a quelques années des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, où la situation est lamentable, elle est désastreuse, c'est catastrophique, aucune dignité n'est respectée à ces gens-là, aucun droit de pouvoir déterminer d'eux-mêmes ne leur est reconnu non plus. C'est exactement la même chose qui se passe dans la bande de Gaza. Après deux visites en la terre de Palestine, à un moment donné, j'ai pu rencontrer ces personnes-là et voir la réalité dans laquelle ils vivent. Et parfois, on se rend compte que même auprès des nôtres, notre dignité est bafouée. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en terre de Palestine, on voit la complicité ou le soutien inconditionnel des États-Unis à la politique d'Israël, le soutien de la communauté européenne ou l'Union européenne sous la présidence de M. Sarkozy qui vote le rehaussement des relations entre l'État d'Israël, terroriste sioniste israélien, et la communauté européenne. Et, vous savez, quand on voit ça, par rapport à la réalité du monde arabo-musulman, le silence complice et le mutisme complice des pays arabes, sans aucune exception, avec parfois même l'appui de certaines autorités, et je voudrais ne pas souiller cet espace et ne pas souiller votre ouïe en citant le nom de quelques-uns de ces dignitaires responsables politiques ou de certains de ces pays, parce qu'ils ne méritent pas qu'on les mette en exerce ou en évidence. Mais en tout cas, les pays arabes ont fait preuve de d'une démission, d'un silence complice, face à ce qui se passe aujourd'hui en terre de Palestine. Donc il ne faut pas qu'on s'étonne de ce qui vient des pays qui ne sont pas des pays arabes, dont la communauté européenne qui vote le rehaussement des relations entre Israël et l'Union européenne sous la présidence de M. Sarkozy.
Et bien sûr, par la même occasion, le soutien inconditionnel des États-Unis à cet État terroriste, en tout cas qui fait preuve d'un terrorisme d'État aujourd'hui à l'égard des populations. En Palestine, on peut voir une discrimination sur le plan de la citoyenneté, qui n'est pas une citoyenneté égalitaire entre les Palestiniens et les citoyens israéliens. En Palestine, on peut voir le déni de droit au quotidien. En Palestine, on peut voir qu'on ne permet pas à un peuple de pouvoir déterminer de lui-même. Et pourtant, Israël est considéré comme étant une démocratie. Ce qui se passe aujourd'hui ne nécessite pas de nous, chers amis, une décharge émotive, des propos démesurés. J'ai vu à la manifestation mercredi certaines personnes qui sont là et on se pose la question dans quel intérêt. On vient parfois semer la zizanie. Est-ce que l'on vient manifester pour revendiquer un droit ou on vient manifester pour mettre en évidence mon regard des choses, mon idéologie à titre personnel? Je pense que lorsqu'on va manifester, c'est quelque chose qui vient en plus. Et ce n'est pas une action qui s'arrête à la manifestation. La manifestation doit permettre de mettre sur pied d'autres activités, en amont ou même en aval de cette activité-là, parce qu'à la manifestation, tout le monde peut venir. Il y a, comme on dit en arabe, « salih wa talih ». Il y a des gens qui viennent avec une bonne intention, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc, mon souci à moi, c'est que quand on va à une manifestation, il ne s'agit pas d'exprimer cette décharge émotive à l'égard de la question palestinienne pour laquelle il y a cette vivre affective, puisque la terre de la Palestine est la terre de la spiritualité ou le berceau des spiritualités, hein, le berceau de la tradition spirituelle juive, chrétienne et musulmane. Et c'est normal qu'en tant que musulman, on est touché par ce qui se passe sur la terre de la Palestine. En plus de ça, en compassion avec nos frères et sœurs palestiniens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, peu m'importe. Moi, ça ne m'intéresse pas de me mobiliser parce que ce sont des musulmans uniquement. Je me mobilise pour la dignité de l'humain. Quand le Coran reprend cet enseignement qui est repris dans la tradition hébraïque, dans la Mishnah, lorsqu'on tue un humain, c'est comme si on porte atteinte à toute l'humanité. Et lorsque l'on sauvegarde la vie d'un être humain, c'est comme si on sauvegarde la vie de toute l'humanité. Cet enseignement-là est sacré, il est fondamental. C'est-à-dire la dignité de l'homme, elle passe avant tout, au-delà de son appartenance spirituelle, religieuse, philosophique, idéologique. Et dans ce cadre-là, je voudrais, si vous me le permettez, réfléchir avec vous sur quelques actions que l'on pourrait mener autour de la question palestinienne. Nahr el-Bared m'interpelle à titre personnel sur le plan de l'engagement humanitaire, la solidarité. Qu'est-ce que c'est que la solidarité ou l'humanitaire? En tout cas, d'un regard spirituel, nourri par ma spiritualité. C'est le fait de restaurer la dignité de celui qui a été bafoué dans sa dignité. Restaurer la dignité de l'humain. Parce que les droits les plus élémentaires, c'est de lui permettre de pouvoir vivre dignement et d'avoir un minimum. Et quand on voit la situation des réfugiés palestiniens, que ce soit au Liban ou que ce soit en Jordanie, eh bien je vous assure, en tout cas, pour ce que moi j'ai vu en Jordanie, c'est parmi les plus lamentables. C'est honte de la part de pays arabes qui permettent de bafouer la dignité, les droits les plus élémentaires d'une population qui est déjà chassée de sa terre et à qui on retire sa dignité et on lui retire tout simplement son droit à être et à exister. Donc l'humanitaire, c'est le fait de restaurer le droit à la dignité. Le droit à la dignité, c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'maqas et dans l'islam, c'est-à-dire les objectifs ultimes de la législation musulmane ou de la voie islamique, c'est permettre à chacun de pouvoir détenir le droit à exister, le droit à posséder, le droit à penser, à avoir sa religion, sa religiosité, le droit à pouvoir dire ce qu'il pense, etc. Le droit à respecter son honneur. Quand ces gens-là sont démunis de tout moyen, ils sont démunis de... Lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la bande de Gaza, boycott ou embargo total, les vivres, les soins, les médicaments, tous les éléments utiles pour la scolarité des enfants. Les infrastructures sont maintenant bombardées, les mosquées, les hôpitaux, les centres culturels de sport, etc. sont bombardés. Qu'est-ce qu'il reste à cette population-là? Quand on empêche à des populations de pouvoir bénéficier d'eau potable, pas d'électricité, pas d'eau potable, on est en train de leur retirer leur dignité. Nous, dans ce travail humanitaire de solidarité, c'est de revendiquer le droit à la dignité des peuples, le droit qu'ils puissent déterminer d'eux-mêmes. C'est fondamental. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne voudrais pas que, comme je l'ai dit, avoir des propos démesurés ou une décharge émotive pour la question palestinienne. Permettez-moi de le dire, nous réagissons souvent au rythme des médias. Lorsque les médias
la catégorisation médiatique d'une affaire, par sa fréquence à l'égard d'une question particulière, nous réagissons. On parle de la question palestinienne, on réagit à la question palestinienne. On manifeste le poing levé, Allahu Akbar, et on crie, et on pleure, et on fait des invocations, Alhamdulillah. Et après, ça s'éteint. Si dans 2 semaines, on ne parle plus de cette question, khalas, on a tendance à oublier, et on revient à la vie du train-train quotidien. Le 31, mercredi, on était dans les rues pour manifester à Bruxelles, et le soir, c'était la nuit du réveillon. La nuit du réveillon, beaucoup d'entre nous sont partis s'éclater, permettez-moi le terme. Ils sont partis s'éclater tout en ayant manifesté la journée, soi-disant en ayant une pensée pour leurs frères palestiniens. Mais excusez-moi, à partir du moment où tu sais que le minimum vital n'est pas assuré à l'égard de ces gens-là, pourquoi tu ne te permets pas de te dire, eh bien, je vais me priver aujourd'hui de cette joie excessive? On n'a même pas fêté, pour la majorité d'entre nous les musulmans, on n'a même pas fêté le réveillon du nouvel an musulman 1430. Mais on ne s'est pas empêché de le fêter pour l'année 2009. Alors faites-le aussi pour l'année hébraïque 5769 qui est rentrée avec la date de Eid al-Fitr dernièrement. Pourquoi on le fait pour celle-ci et pas pour celle-là? Soyons quand même fidèles à notre enseignement, soyons fidèles tout simplement à notre culture si c'est sur le plan culturel. D'autant plus que la nouvelle année est rentrée avec les jours sacrés de Ashura, la commémoration de la victoire de Moussa alayhi salam sur Pharaon, mais la commémoration du massacre de l'imam Hussein alayhi salam. Et nous, cet excès de zèle, de joie, de festivité, sans aucune mesure, alors qu'en même temps nos frères sont bombardés constamment. Est-ce que j'ai pensé à mettre la main à la poche pour pouvoir contribuer à redessiner un sourire sur le visage d'un enfant palestinien, à permettre à une maman d'offrir un sourire de joie à son enfant palestinien, à permettre d'essuyer une larme de quelqu'un qui a perdu son père et sa mère, à permettre à quelqu'un de se couvrir contre le froid, à permettre à quelqu'un de pouvoir revendiquer le droit à aller à l'école pour pouvoir apprendre et se former et construire son avenir. Alors là, permettez-moi à ce niveau-là, il est important que quand on parle de la question palestinienne, on ait cette exigence avec nous-mêmes. Arrêtons la décharge émotive, ne réagissons pas au rythme des médias. D'ailleurs, permettez-moi de le dire, la guerre qui est en train d'entreprendre le terrorisme d'État, l'État terroriste sioniste israélien aujourd'hui, c'est une guerre médiatique. Lorsqu'en 2006, la bataille a été entreprise entre Israël et le Hezbollah au Liban, la noble résistance de Hezbollah a mis à genoux l'État d'Israël. Aujourd'hui, Israël veut redorer son blason. Et à ce moment-là, Israël, aujourd'hui, est en train de laisser entendre que si elle a réagi contre le Hezbollah, si elle a frappé, c'est parce que Hezbollah avait pris en otage 2 soldats israéliens dans le sud d'Israël. Et aujourd'hui, Israël nous dit, si elle a frappé, c'est parce que le Hamas a réagi par le lancement de roquettes. C'est une guerre médiatique. Mais en fait, revenons un peu en arrière. Le 18 juin dernier, un accord de traitement d'une trêve de paix est signé entre Israël et Hamas. Le 4 novembre, le jour des élections d'Obama, Israël a décidé de frapper. Quelque part, c'est comme si Israël voulait nous dire, attention, le soutien inconditionnel duquel je bénéficie de la part des États-Unis, eh bien, il continuera, que ce soit avec Bush ou autre que Bush. Peu importe le président qui viendra, ce soutien inconditionnel par la présence du lobby sioniste aux États-Unis, il est maintenu, il est fort et il est quelque part sauvegardé par la force d'Israël qui revendique ce droit à pouvoir exister et à faire ce qu'elle veut, bafouer les principes élémentaires de la dignité des droits de l'homme, bafouer les résolutions des Nations Unies sans aucune mesure. C'est exactement cela. On frappe le 4 novembre, le jour des élections du nouveau président américain. Les conditions, c'était qu'Israël relève le blocus. Lève le blocus de la bande de Gaza. Aucun blocus n'a été levé. Le blocus est maintenu. La condition, c'était que le passage à Rafah avec l'Égypte serait réouvert. Ce passage n'a jamais été ouvert, si ce n'est partiellement. Mais c'est normal que le peuple qui est asphyxié réagisse, et c'est normal qu'il revendique le droit à sa dignité et qu'il revendique le droit à exister, à avoir les éléments, les données les plus élémentaires pour pouvoir sauvegarder sa dignité. Et médiatiquement, Israël est en train de mener la guerre, en tout cas de mener une guerre médiatique. À nous de ne pas tomber dans le piège, chers amis. À nous d'avoir une analyse pointue. À nous d'être objectifs dans notre analyse. Un troisième point, permettez-moi de le dire,
c'est de savoir qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, par-ci, par-là, qui ont mis en évidence et crié leur indignation à l'égard de l'État d'Israël. Ces personnes-là sont musulmanes, juives, chrétiennes, agnostiques, athées, bouddhistes, humanistes tout simplement. Il est important qu'aujourd'hui, avec la cause palestinienne, on tisse des partenariats avec les communautés locales, juives, chrétiennes et autres. Et ne tombons pas dans un racisme primaire, de l'antisémitisme judéophobe. Vous savez, comme dit le professeur Roger Garaudy, Israël a substitué au Dieu d'Israël l'État d'Israël. Et elle a fait du judaïsme, elle a fait du sionisme une hérésie du judaïsme. Et effectivement, quelle est la nature, quel est le caractère juif de l'État d'Israël aujourd'hui, réellement? Jamais l'enseignement de la Mishnah, jamais l'enseignement de la Torah ne permettra ce que l'on voit aujourd'hui se dessiner au su et au vu du monde entier. Mais à nous de ne pas tomber dans le piège de propos racistes à l'égard du juif parce qu'il est juif ou à l'égard de l'hébreu parce qu'il est hébreu. C'est un combat que nous menons en tant qu'humanistes, nourris par notre spiritualité de la foi, à l'égard d'une injustice et d'une ingratitude, en tout cas à l'égard du sionisme de l'État d'Israël. Donc soyons précis dans nos propos, parce que cela peut se retourner contre nous. Et nous pouvons avoir gagné à notre cause des partenaires de toutes tendances confondues à partir du moment où on est précis dans les termes et on sait ce que l'on veut. Le partenariat à tisser est fondamental et important. Un autre élément, c'est la question la question palestinienne nécessite de nous une analyse objective. Il y a des analystes, des spécialistes sur lesquels nous devons nous pencher pour, en tout cas, et essayer de comprendre les enjeux stratégiques dans la région. Israël, elle détient l'arme nucléaire, ce qu'elle reproche à ses voisins. Israël, aujourd'hui, excusez-moi, elle achète son gaz de l'Égypte, un pays voisin. L'Égypte qui vend le gaz à Israël, avec lequel, aujourd'hui, on fait ce qu'on voit. Nous, sur le plan individuel, en tant que citoyens, nous avons la possibilité de nous instruire sur la question palestinienne à partir des analyses pointues des spécialistes. Et ne tombons pas dans cette décharge émotive. Ça, c'est un élément. Et dans ce volet-là, le deuxième élément, c'est l'engagement de la consommation citoyenne. Pendant des années, on a parlé du boycott. On a entendu le Cheikh Youssef Al-Qardawi, hafidhahullah, parler du boycott. On a entendu le Sayyid Mohamed Fadlallah, hafidhahullah ta'ala, parler du boycott. On a entendu le professeur Roger Garaudy qui a appelé au boycott en 1996 déjà, lorsqu'il écrit son livre sur les mythes fondateurs de la politique israélienne. Ça nous empêche pas, à nous, de tomber dans le train-train quotidien et de se dire non, ça ne sert à rien du tout. Pendant le mois de Ramadan, vous allez au marché matinal et vous voyez les commerçants qui disent soutenir le peuple palestinien, parmi les commerçants arabes et musulmans, vendre des dattes qui viennent de Jordan River et King Salomon, etc., ces marques-là qui viennent des colonies israéliennes. Alors, elle est où la consommation citoyenne? Il est où l'engagement responsable citoyen engagé? Un dernier élément, si vous me le permettez, c'est sur le plan de notre intimité spirituelle. Beaucoup d'entre nous disent « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Nous ne détenons pas les moyens, nous ne détenons pas l'armement. Israël, elle a le soutien conditionnel des États-Unis, le silence complice de la communauté européenne, l'Union européenne, des pays arabes, etc. Dans certains pays arabes, des manifestations ont été réprimandées par les autorités. C'est une honte. Mais heureusement, nous avons vu des peuples. Les peuples se sont mobilisés par-ci, par-là, à travers le monde entier. Eh bien, il y a un élément. Certains disent on ne peut rien faire, mais tu as, comme dit le Coran Karim, on a tendance à oublier un élément fondamental, central, dans notre relation à Dieu, dans la relation à ta foi, que tu sois musulman ou non musulman. Ta foi en l'humanité de l'homme, ta foi en plus de justice, ta foi en Dieu exalté soit-il. Cet élément-là, c'est notre intériorité. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne réforme la réalité d'un peuple qu'à partir du moment où il change ce qui est en lui. C'est cette prise de conscience de se dire je peux changer la réalité en contribuant à partir de ma mobilisation personnelle. Moi, à titre personnel, j'ai une exigence avec moi. Ce verset du Coran Karim me rappelle le hadith du prophète alayhi wa alayhi salatu wa salam,
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps une particule, si elle est réformée, tout le corps est réformé. Si elle est pervertie, tout le corps est perverti. Certes, c'est le cœur. Le Sayyid Mohammed Baqir al-Karim, أي حتى تكون لهم قابلية للتغيير. Dans le tafsir al-Mawdou al-Qur'an al-Karim. Il dit, Dieu ne réformera la situation de ce peuple qu'à partir du moment où il aura une acceptabilité au changement, à la réforme. Et mon maître, le Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, disait, القلب هو صانع التغيير. Le cœur est l'artisan du changement. C'est de là qu'émane le changement. À partir du moment où tu prends conscience de ta responsabilité, de ta capacité à réformer, à agir dans le sens de la réforme, aussi minime qu'elle soit, Allah subhanahu wa ta'ala y accorde la baraka. Al-Amir Abdul Qadir rahimahullah ta'ala disait, lorsqu'il combattait la colonisation en Algérie, il disait une phrase qui est intéressante. Il dit « In kassara al-midfa'u sayfi falan yukassira al-batilu haqqi » Si le canon détruit mon épée, jamais le mensonge ne détruira ma vérité. Jamais. Ça veut dire que si je persiste dans la voie, je suis convaincu de mon principe, je suis convaincu de l'authenticité de mon combat, je suis convaincu que ce que je suis en train de mener, c'est dans la voie de la rectitude, dans la voie de la justice et pour la dignité des hommes, parce que dans le travail que nous faisons sur le plan humanitaire, c'est restaurer cette dignité d'autrui. Eh bien, إن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. Jamais le mensonge ne détruira ma vérité. C'est-à-dire persister. Le Coran al-Karim nous le rappelle. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Si vous accordez victoire à Dieu, il vous accorde victoire. Dieu, c'est le symbole de la justice par excellence. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire preuve d'injustice ou de se dire dénigrer qui que ce soit parce qu'il n'est pas de ma religion. Au contraire. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله صدق الله العظيم. Que la haine que porte à notre égard un peuple ne nous pousse pas à transgresser, mais soyez juste et équitable. واتقوا الله et craignez Dieu toujours et encore. Exalté soit-il. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Si vous accordez victoire à Dieu, il vous accorde victoire et il fait persister vos pas. Il vous assiste dans votre engagement. Il accorde la grâce et la bénédiction à vos efforts. L'effort pour restaurer la dignité d'autrui, l'effort pour revendiquer le droit à ce qu'un peuple, au fait qu'un peuple puisse déterminer de lui-même, l'effort pour que justice soit rendue à l'égard des peuples démunis autour de nous, opprimés, et à l'égard du peuple palestinien en particulier. Alors je voudrais terminer, si vous me le permettez, par le fait qu'il est important que nous interpellons en tant que citoyens, que nous interpellions nos dignitaires politiques. Moi, je ne suis pas pour le fait de rentrer en conflit avec les responsables politiques de quelque pays que ce soit. Ce n'est pas dans notre intérêt et ça n'a pas de sens. C'est une décharge émotive qui n'aura aucun sens. Par contre, il est important que nous les interpellions en tant que citoyens engagés responsables. Quelle est la nature des relations que vous entretenez avec l'État d'Israël? Le rehaussement des relations entre l'État d'Israël et l'Union européenne a été voté. Eh bien, à nous d'interpeller nos hommes politiques. Et on n'aura pas la mémoire courte. Les élections sont proches, en juin 2009. Et on pourra, par un vote de sanctionner les hommes politiques qui n'ont pas tenu leur engagement et qui, peu leur importe, le bafouement des droits et les plus élémentaires et de la dignité du peuple palestinien. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est interpeller la communauté juive localement. À titre d'exemple, certains rabbins et d'autres associations juives pour des actions communes. L'UPJB notamment a soutenu la manifestation mercredi passé. Eh bien, c'est de tisser des liens de partenariat avec ces associations-là et demander d'être clair dans la condamnation. En tout cas, je salue l'initiative qui a été prise par la Ligue des imams ici qui a fait un communiqué condamnant ces actions-là. Mais aussi d'autres sur le plan européen, international, qui demandent notamment à la communauté spirituelle musulmane de ne pas oublier les frères et sœurs en Palestine dans leurs invocations, dans les du'as, dans les invocations, dans la prière, du'a al-qunut, dans la prière, en cette période de Ashura, cette période qui nous rappelle le combat, la résistance pour la dignité et la justice, et le sacrifice, parce que l'imam Hussein alayhi salam a donné de sa vie contre Yazid le tyran, pour que soit restaurée la justice et la dignité des peuples, le droit le plus élémentaire que chacun revendique dans sa vie au quotidien. Et si nous contribuons ainsi, le boycott, la conscientisation sur la question palestinienne, l'interpellation de nos hommes politiques et l'intimité spirituelle avec Dieu,
eh bien, sachez qu'on pourra restaurer une part de la dignité de ce peuple qui nous est cher, en tout cas tout simplement parce que nous partageons avec eux ce souffle en l'humanité. Je respecte en l'autre l'acte qu'il a créé, qui est Dieu exalté soit-il. Au même titre que si un être humain non musulman sera bafoué dans sa dignité, eh bien, je me devrais en tant qu'homme de foi, en tant que citoyen engagé et responsable, d'agir et de tout mettre en œuvre pour que puisse, comme disait l'abbé Pierre, on n'aura pas agi quand on aura pleuré, mais on aura agi quand on aura tout mis en œuvre pour que cesse l'injustice. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous remercie.